Hello tout le monde, ben écoutez, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, ça y est, c'est le week-end, ça fait du bien. Et oui, alors aujourd'hui, attention, petite vidéo sympathique, on va remonter dans le temps. À quoi tu jouais quand tu étais jeune? Et vous, à quoi vous jouez quand vous étiez jeune? Eh bien, c'est la vidéo du jour. Voilà, on retourne sur les jeux de l'enfance. C'est parti. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo, de la commenter, de la partager. Ça fait toujours plaisir. Donc, merci beaucoup. Alors, le premier jeu auquel je jouais quand j'étais jeune, c'était les billes. Eh oui, je jouais aux billes à l'école, au primaire, et aussi un petit peu début sixième. Et je me rappelle, on les mettait dans les sacoches. Mon Dieu, c'est ridicule ça comme... C'est un truc, mais franchement, au niveau style, franchement, c'est pas du tout ça. La grosse sacoche là, à la taille, avec plein de billes à l'intérieur, bah, c'était un peu ça. Voilà. Mais bon, c'était cool les billes. Franchement, c'était super sympa. Il y avait aussi les pogs. Je sais pas si vous en souvenez. Franchement, ça, j'aimais beaucoup, beaucoup les pogs et surtout ceux du Roi Lion. Un autre jeu qui, comment dire, qui a marqué mon enfance, c'est les Tamagotchi. Alors, les Tamagotchi, mon Dieu, j'en avais plein, 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 plein. Franchement, c'était top comme jeu parce que bah, on avait notre petit animal, c'est notre petit Tamagotchi et bah, on jouait avec. Et en fait, le truc, c'est que moi, franchement, je sais que je me suis fait confisquer mon Tamagotchi quand j'étais à l'école. Et oui. Et donc, du coup, c'est pas bien. Hein. Voilà. Et je l'avais amené à l'école et tout. Et du coup, je me suis fait confisquer mon Tamagotchi. Quand je me suis fait confisquer mon Tamagotchi, en fait, j'étais triste parce que je pensais qu'il allait mourir, que voilà, il allait faire plein de caca, tout ça et tout. Et donc, du coup, je sais pas si vous en souvenez, mais en fait, quand on s'occupait pas de lui, et ben, du coup, ben, il pouvait être malade et du coup, après mourir. Et moi, c'était ma hantise. Voilà. J'en ai eu plein, des Tamagotchi. J'en ai eu plein différents, vraiment, et c'était franchement trop bien. C'était trop, 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 trop bien, on s'occupait d'eux et tout. C'était vraiment un animal virtuel, et je pense que quand je joue à Animal Crossing actuellement, je retrouve un peu de Tamagotchi dans tout ça. Donc c'est peut-être pour ça que j'adore Animal Crossing, c'est parce qu'enfant, j'adorais les Tamagotchi. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Bien sûr, je jouais à tous les jeux qu'on pouvait jouer, attrape-trappe, des trucs comme ça. Ça, franchement, ça restait voilà, au top à l'école. Sinon, j'avais aussi beaucoup d'imagination et j'adorais jouer aux jeux de rôle. C'est-à-dire que j'étais des personnages, je jouais beaucoup avec ma petite sœur, avec qui ben, je m'entendais bien et que du coup, ben, on jouait ensemble. Donc du coup, je jouais beaucoup aux jeux de rôle. Par exemple, je sais pas, moi, on était des magiciens ou des sorciers, des choses comme ça. Et franchement, ça, c'était cool parce que, bah, en même temps, ça permet de libérer notre imagination. Donc, ça, c'est cool. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'adore tout ce qui est imaginaire. C'est peut-être parce que dans l'enfance, je jouais énormément aux jeux dont, bah, voilà, où on faisait appel à l'imagination. Donc, c'était cool. C'était bien cool. Ensuite, un autre jeu. Alors. Vous allez rigoler, mais c'est pas grave, franchement, tant pis, hein, voilà, après, c'est tant pis, hein, voilà, c'est tant pis, c'est comme ça. Donc, je jouais à la Barbie. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. J'ai joué au Barbie. J'ai joué au Barbie avec ma petite sœur. Eh oui. Pourquoi j'ai joué au Barbie avec ma petite sœur? Eh ben, écoutez, parce que, ben, déjà, j'aimais bien. Voilà, tout simplement, j'aimais bien habiller les Barbie. J'aimais bien les coiffer. Ouais, ça, franchement, j'aimais bien. J'aimais bien être la plus belle, bien sûr. Ça, c'était une obligation. C'est-à-dire qu'on jouait souvent. On avait découvert, en fait, le film Sissi l'impératrice avec Romy Schneider, qui était à ma grand-mère. Et du coup, en fait, avec ma petite soeur, on était à fond dans Sissi, tout ça. Et du coup, on jouait à Sissi au Barbie. Et alors, bien sûr, moi, j'étais Sissi, mais je faisais aussi Ken. Hein. Je faisais les deux et ma petite soeur faisait Hélène. Et tout le monde sait qu'au moment du bal, quand France arrive, en fait, pour donner le bouquet et choisir ben, normalement Hélène, elle choisit Sissi. Et en gros, à chaque fois quand on jouait donc à Sissi, à la Barbie, en fait, je lui faisais croire que ben, le prince allait choisir enfin
elle, et en fait, non. J'étais pas très gentille. À chaque fois, bah, c'était moi que le prince choisissait. Enfin, je me choisissais moi-même parce que finalement, c'est moi qui faisais Ken et en même temps, je faisais le prince et en même temps, je faisais bah, moi Sissi. Donc, forcément, bah, voilà, je me choisissais moi-même. Et franchement, j'ai beaucoup joué avec la petite sœur Barbie. Ouais. Et mais ça finissait tout le temps un peu en dispute. Je sais pas pourquoi. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, voilà, c'était ça. C'était, ben, on jouait ensemble pendant un temps. Hop là, on était là, on jouait. Et puis après, je sais que ça finissait en dispute. Et on arrêtait de jouer, on se prenait la tête. Voilà quoi. Les Barbies, voilà. Je sais, vous allez rigoler, hein. Je sais, mais bon, c'est comme ça. Écoutez, hein, voilà, on choisit pas trop. Voilà les jeux, hein. La Game Boy. Eh oui, la Game Boy. Alors ça, mon Dieu. J'adorais la Game Boy. En fait, j'aime beaucoup, je me suis remarqué, mais en fait, finalement, ben, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Et oui, je pense que c'est un côté, peut-être mon petit côté garçon, mon côté garçon, tout simplement, qui est là. Et parce que, en fait, j'adore les jeux de course, en fait, de voiture de course. Ça peut être bizarre, hein, mais. Non, mais franchement, par exemple, j'adorais Tekken, par exemple, ou je crois que c'est appelé comme ça, c'était il y a longtemps. Donc, du coup, j'adore les jeux de combat, par exemple, aussi. J'adore, franchement, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est mon côté garçon, en fait, qui ressort. Et donc, du coup, bah, les jeux de voiture, j'adore ça, les courses. Oh, dès que, franchement, il y a des courses et tout dans un jeu, franchement, j'adore. Et les trucs de combat, j'adore me battre. C'est-à-dire les trucs de Spider-Man, bah, Tekken justement avant, mais même genre, voilà, là, il y a un jeu que j'aime bien qui s'appelle Uncharted, voilà, Uncharted, et ben Uncharted ou Uncharted, bon, comme vous voulez. Franchement, pareil, j'adore. Et c'est peut-être mon côté garçon, voilà, qui ressort de temps en temps. Et qui dénote après à côté de Barbie. Voilà. Mes petits jeux quand j'étais enfant, dites-moi vous en commentaire. Ah, c'est à vous maintenant de dire à quoi vous jouez quand vous étiez jeune, quand vous étiez enfant. Quand voilà. Dites-moi en commentaire, je compte sur vous. C'est parti. En tout cas, portez-vous bien et puis de toute façon, à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis, bah, bon samedi. Ciao, ciao. Bisous. Ciao, ciao.